you. Et salut à tous, c'est Torrent pour Regarde dans le Rétro sur IvaSound. Donc aujourd'hui je vais jouer à la version verte de Pokémon, celle qui était sortie au Japon un an avant la version européenne, c'est-à-dire en 1995. Donc là, la date qui est juste au-dessus, c'est tout simplement la date de traduction faite par YF06 qui a traduit le jeu du japonais en anglais. En français. Je n'ai jamais joué à cette version. Tout simplement que ma version préférée restera et Silver. Tout simplement que c'est ma première version. Que quand j'étais gamin, la première fois que j'ai eu un Pokémon entre les mains, j'ai eu le choix entre bleu et Silver. Et en tant que gamin, j'ai tout simplement choisi la version où il y avait plus de couleurs, plus. Enfin voilà quoi. Donc la version. Enfin, ma génération préférée reste la 2G. Donc la 1G, j'ai pas vraiment touché vraiment, j'ai joué à Rouge Feu et Clairefeuille et il y a quelques années de cela, et ça faisait un moment que j'avais pas fait de Pokémon, et pourquoi pas m'y remettre. Donc on va commencer maintenant. Hop, allez c'est parti. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Alors le discours toujours le même, on passe. Faut savoir que les musiques de Pokémon, surtout le main theme, celui qu'on a entendu tout à l'heure, ça nous fait hyper penser à Super Smash Bros. Melee, surtout l'arène Pokémon. C'est vraiment l'arène que j'ai préférée dans Melee. Enfin bref, je vais y aller. Torrent, oui. Oui. Ça m'a toujours fait marrer. Le mec qui sait pas le nom de son petit-fils. Enfin, chez Alzheimer touche pas mal de gens, mais faut pas déconner. On va appeler Régis. Voilà. Le nombre de Pokémon tartant est dingue. J'aimerais juste rajouter au dingue. C'est les visiteurs. Quand Jacouille le dit. C'est pas drôle. Alors très bien, hop, on va se faire agresser, hop, ça c'est la base de tous les Pokémon, voilà. Gène super dangereux, les Pokémon sauvages infestent les autres herbes, il te faut un Pokémon pour te protéger, j'ai trouvé, suis-moi. Dedans en fait, c'est Hé toi vieil inconnu, viens je te file un des Pokémon uniques. Non mais sérieusement. Qu'est-ce qui peut être sacrément cool. Ah, un autre truc que j'adore, c'est qu'il te fait passer avant son petit-fils. Sympa l'esprit de famille. Allez, choisis-en un. Donc, on avait dit que j'allais partir sur le starter feu. Simplement que c'est le starter que j'ai toujours pris dans toutes les versions. Non, pas celui-là. Non, je veux pas lui. C'est le Pokémon que j'affectionne dans toutes les versions. Ouh, il n'y a pas tout qui a été traduit. Il y a de l'anglais, bon ça, je pourrais plus ou moins traduire. Ah, Salamèche. Salamèche. Non. Moi, je ne renomme pas mes Pokémon. Un Carapuce. Hop. Voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Allez, viens te battre, minable. C'est juste magique cette musique. J'aime bien un truc aussi, c'est que les sprites des dresseurs de face sont hyper stylés, mais de dos c'est genre le dégoût quoi, le vomi. Je sais pas ce qu'ils ont fait mais. Hop, oh ça va être dur. Mimique. Je traduis bien vite fait. Salamèche la défense de Salamèche descend.
Hop, il charge. En gros, là, on va jouer une version mi-franglais, en fait. Genre, ça va être bien. Bon, c'est soit ça, soit du japonais. On va pas se plaindre. Putain, je vais mourir. Je crois que je suis jamais mort avant. Sérieusement, quoi, je savais même pas que c'était possible de mourir sur ça. Le premier. Ok, je vais entraîner mon Pokémon pour qu'il soit plus fort. Tourner MPP, à plus tard. Allez hop. Ah, et petite couleur. Ah, il faut savoir que j'aime bien faire 2-3 petits combats avant d'aller à la ville juste au-dessus. Ouais. On a un Roucoule sauvage. Je pense que je vais désactiver les animations de combat. Tout simplement que je les trouve trop longues. Genre, pendant un combat avec animation, tu pourrais en faire 3 sans animation. Vraiment lourd, quoi. Hop, j'ai juste augmenté la vitesse des dialogues. Pas notre combat, bon, on va les laisser quand même. Hop, hop, histoire de pas prendre trop de retard. Un truc qui m'avait fait marrer en parlant des premiers Pokémon, c'était un défi qu'ils avaient fait sur Twitch, donc la plateforme de streaming. Ils avaient fait jouer un poisson à Pokémon. Donc en gros, tu voyais à l'écran son bocal. Et tout simplement, dans son bocal, ils avaient mis des zones qui faisaient des actions sur l'émulateur. Par exemple, le poisson allait à gauche, ça déplaçait le poisson à droite, etc. Et en fait, dans les cases qu'ils avaient fait par rapport à l'aquarium, il y avait une case random qui inversait tous les contrôles partout, etc. Histoire que le poisson ne fasse pas toujours le même mouvement en restant à la même place. Et... putain, marrant, parce que... il a quand même réussi à évoluer son... Salamèche, en Rapunzel. Il a su le renommer, et il a quand même su se taper 2-3 combats, quoi. Donc, il a quand même su choisir son Pokémon, etc. C'était assez comique. Il y a eu aussi un autre défi, genre les gens sur Twitch, ils avaient fait... en gros, il y avait l'émulateur, on voyait tout, ben, l'émulateur, le jeu, etc. Et genre, en rentrant ben, les commandes dans le chat à l'écrit, on pouvait directement interagir avec le perso du jeu. C'est-à-dire un message, par exemple, si tu mettais left, le perso allait à gauche. Et genre, les gens, ils ont su finir le jeu comme ça, à faire la ligue, etc. Mais genre des fois les gens ils faisaient de la merde, quoi, genre il y en avait un qui dit left, il y en a un qui dit right, etc. Donc le perso des fois il bloquait, c'était un truc de fou. Non, je ne veux pas, j'ai déjà soigné, casse-toi. Me dis pas que j'ai dit oui, non c'est bon. Non mais c'est pas possible. Voilà. Très bien. Je sais plus ce qu'il faut faire. Ouais. La commande prochaine. Très bien. Hop, très bien. Allez, on retourne à Bonfolette. Demandé combien de mètres ça faisait ça. Tout simplement qu'on peut pas l'atteindre de ce sens là et là tu sautes comme si de rien n'était. Allez combat, première herbe, allez. Oh cool. Level 2. Cool, two shot. Ah oui c'est vrai, il n'y a même pas encore de barre d'XP. C'est abusé. Hop, très bien.
pleut. Ouais, si, si. Ah, bonjour, t'as une commande? Ouais. Ouais, je sais. Ouais. Alors, le mec, il est maître. Enfin, il est chercheur, etc. Il est content d'avoir une Pokéball basique. Alors, pourquoi tu m'as appelé? Bon, j'ai une faveur à vous demander. Alors, je traduis ça par. Pas par une. J'ai une faveur à vous demander. Par. J'ai la flemme de me déplacer. Tout simplement que. Bah, il pourrait le faire lui-même, le Pokédex. Enfin, je pense. Il se casse le cul pour lui et il se tape tous les mérites, tout simplement parce que. C'est quoi l'arnaque? En plus, bénévolement, quoi. Il nous donne rien en retour. Une carte à ma sœur. Et je lui dirais de ne pas t'en donner une. Yark. Ok. Très bien. On vole une carte à ta sœur. Là, je vais pas m'en taper un, t'es. La grosse blague. Ratata. Oh, quel art. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça en anglais. Allez, meurs. Pour faire des mimiqueux, c'est pas très utile. Ah, il faut savoir aussi que moi. Ah, niveau 6. Il faut savoir aussi que moi, dans Pokémon, je suis genre le mec assez bourrin. Des sorts genre mimiqueux, etc. C'est pas trop mon style en fait. Moi, je suis plutôt. Je tape, je tape, je tape. Des trucs paralysants, etc. Ouais, quand même. Cage éclair, etc. Ouais. Mais. Genre, mon Salamèche, ça va être mon burst. Hein. Clairement. Par contre, je sens que j'ai douillé parce que je suis pas fort fort non plus quoi. Et la ligue me fait déjà peur de base. Sauf qu'apparemment, cette version est réputée pour avoir pas mal de différences par rapport à la version rouge, bleu et jaune, tandis qu'elle est sortie avant. Donc à voir. Soigne comme d'hab. Là, je vous dis, je risque de casser les oreilles avec la musique. Hein. Alors, très bien. Après, je sais plus où aller. Là-bas, ouais. Il a dégagé le chemin. Elle est trop bien la musique. Bon, alors là, je me rappelle plus du tout du chemin. Ça va être drôle, tiens. Ça va être drôle, ça va être drôle, ça va être drôle. Ah oui, c'est ça le truc. Les chenipans qui spam armure, on dirait des cris d'acier et tout. Ah non, bah, sécrétion. Bon, c'est tout aussi chiant. Là, il m'a profité de sa sécrétion pour me mettre un deuxième coup derrière. Quoi. Ah, niveau 7, ça commence à monter. Je crois qu'il évolue à niveau 11, 12, je sais plus. Ok, si vous êtes empoisonné, utilisez un antidote. Ok, si votre Pokémon est
affaibli, de briller, éviter l'herbe. Et génial, je me tape un dresseur. Oula, ouf, ouf, c'est dégueulasse, la traduction. Je crois que les apostrophes sont pas passées. Ça donne des U. Juvénile appel d'elf. Voilà, on a Spico quoi. Ok. Hop. On attaque. Sécrétion. Darvenin. Et voilà, génial, empoisonné. Donc LE ça veut dire empoisonné. Ok, je retiens. C'est ça qui va être drôle, c'est qu'on va pouvoir redécouvrir la version non française. Allez, niveau 8. Putain, je monte vite. Ah, il y en a un deuxième. Ah, ça c'est. Ouais, c'est un spico ça. Je pense que je vais prendre ma comme deuxième Pokémon un Roucoule, donc le mangeur, parce que j'aime bien ce Pokémon. Roucarnage, j'aime bien. Sachant que je vais faire pas mal d'aller-retour chez le centre Pokémon, parce que là je suis en train de prendre Bagdad. Hop. Ça c'est marrant aussi, c'est genre tu les raquettes à la fin du combat, genre. Cool, j'ai fait un combat domestique. Tiens, je te raquette pour goûter. Quoi? Quoi? Il s'est passé quoi là? Quoi? Non, mais. C'est quoi la blague? En gros, j'explique. Dans tous les Pokémon, que ce soit anciens. Donc ceux qui font quand même Yakipon, etc. Les rouges, bleus, jaunes. Au nouveau, ça a toujours été que tu ne peux pas mourir du poison. Ça te met à 1 HP et tu ne meurs pas. Et là, je vois que ça te tue. Oh, attends, on va s'amuser là. Ah, la bonne blague. Ah là, oui, ça va être polichon là. Non mais c'est une blague. C'est raison. Sachant que je vais camper ici hein. On est pour un moment là. Détourne le regard s'il te plaît. Non, ça passe. Ok, j'ai un antidote. Bon, si je suis empoisonné, ça c'est fait. Ben, je pense que je vais utiliser l'antidote pour la première fois de ma vie sur Pokémon. Ouais, génial, j'adore ça. Oh putain, le combat le plus lourd du monde. Crisacier. C'est genre lui, t'as l'impression qu'il va jamais, mais genre jamais mourir. Hop, armure. Become arm, ouais, c'est ça. Cling, armure. Et là, c'est juste pas mal de boutons, quoi. La joie. Et là, ça va devenir de plus en plus chiant, parce qu'il sait que faire que ça. Et là, j'ai juste envie de mettre un critical, genre, le finir d'un coup, tu vois. Non, critical, non, mais pop. Oh, merde. Pourquoi la chance me sourit? Putain, allez, raison. Voilà, enfin, niveau 9. Spark Splash. Ouais. Je pense. Je sais même plus c'est quoi cette attaque. Bon, on teste. Hein. Normalement, c'est une attaque feu. Ah, c'est déflagration, je pense. Non, je sais plus.
pense que vous allez m'aider à traduire en commentaire les attaques. Hein. Je pense que ça peut m'aider. Simplement que là, ça fait une belle lurette que j'ai pas touché à un Pokémon quoi. Attends, je vais me taper le détour pour rien là apparemment. Putain, je m'y perds dans cette forêt. Je me rappelle que quand j'étais gosse, je m'étais déjà perdu, mais genre sévère. Ah ça c'est mieux ça, ça j'aime bien ça, ah, ça c'est cool. Oh non pas ça. Pourquoi tu es si pressé? Parce que j'ai pas envie d'être contre toi. Fais ton pique-nique, j'en sais rien. En plus je vais te le one shot. C'est du free XP ça. Très bien. Voilà. C'est très efficace. Oh il brûle en plus. Donc bip le. C'est-à-dire il brûle. Non, Lizzie, ça veut dire qu'il brûle. Pas bon. Hein. Putain, mais je monte ultra vite en fait. J'ai l'impression que c'est pas normal. Je monte juste ultra vite. J'ai pas l'impression qu'avant c'était aussi rapide que ça, quoi. Ok, très bien. Ça rapporte de l'expérience. J'ai l'impression d'entendre le guide de Rayman 3 au début quoi. Appuyez sur la touche saut pour sauter. Yeah. Bienvenue au centre Pokémon, nous soyons les Pokémon. Sans blague. Pas directement faire l'arène, tout simplement que j'ai pas assez de Pokémon. Faut que j'essaye d'entraîner un Rookool. Ouais, je pense que je vais faire ça, ouais. Entraîner un Rookool. You, this Pokémon train, Starks, is looking for an opponent. Ok. Oh non mais je sais où elle est la reine hein, pour un débile aussi. Il s'est téléporté. Mon dieu. C'est de plus en plus bizarre. Mais franchement, j'ai l'impression que je prends des coups assez forts. Hein. Genre même les Pokémon sauvages. Hein. Je me rappelle pas d'avoir pris aussi cher dans Verfeuille, etc. Enfin bref, je pense que je vais vous épargner la phase de farming au cool. Et qu'on va se quitter sur ça. Et qu'on se retrouve au prochain épisode pour casser la tête à Pierre, quoi. Hein, on fait comme ça. Donc allez, je vous dis à plus tard. À vendredi prochain.